Allô mes aimés, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu tombes sur ce magnifique visage, moi c'est Ebony et j'adore partager des tutos, astuces, mode, beauté, coiffure, etc. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait les choses différemment. Pour la première fois, je fais un vlogging. Mais avant de commencer, jingle. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Merci de vous abonner. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bien sûr, vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous pour que les personnes qui sont autour de vous, bien sûr, puissent profiter de la vidéo. Merci de m'encourager avec les thumbs up. Sincèrement, ça fait du bien. C'est mon carburant. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Ebony Aimez. Au revoir. Alors, c'est parti pour le vlogging. C'est mon premier vlogging. Donc, voilà. Ici, on a la valise des enfants. Il y a leurs vêtements, leurs petits toutous. Regardez-moi ça. La petite veilleuse. Il y a leurs livres aussi, parce qu'on ne sait jamais, parce que bon, avec les garçons, c'est toujours, il y a toujours quelque chose. Donc, on essaie de prévoir au maximum tout. Donc, ça, c'est fait pour la valise des garçons. Bon, moi, c'est la panoplie totale. Hein. Vous-même, vous savez, les filles, quand nous, les filles, on voyage, même si c'est pour aller à côté, là, je vous jure que c'est cabaco seulement. Donc, là, j'ai mes bijoux, ma petite mallette de maquillage, bien sûr, parce que je vais profiter du cadre pour créer, pour faire des photos. En tant que maman, ben, il faut toujours avoir les médicaments de première nécessité, c'est-à-dire moi j'ai des nausées parfois, donc j'ai mon nausée libre, du Smecta pour la diarrhée au cas où avec les enfants, de l'Advil pour les maux de tête, Efiralgan, Gravol, anti-moustique, parce qu'on ne sait jamais. Anti-moustique aussi. Donc, voilà, il faut, lorsqu'on voyage comme ça, que ce soit avec les enfants ou pas, il faut toujours prévoir, en tout cas, moi, je prévois toujours des médicaments pour au cas où quelqu'un ait la diarrhée, maux de tête, même le rhume. Et là, ah, les filles, là, nos affaires sont toutes. C'est bon? Vous voyez par exemple les boîtiers des chaussures, moi je les jette pas en fait. Ça c'est les boîtiers de chaussures de chez Aldo. Du coup j'y mets mes bijoux, etc. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce qu'on ne peut pas le déformer? Non, ça ne rentre pas. Je vais mettre ça ici. Et puis tout simplement, c'est super parce que voilà quoi, ça me permet de ranger les bijoux. Tamper les valises dans la voiture, c'est fait. Je me vois derrière. En fait, de vlogging là, ce n'est pas simple. Je vous dis que c'est parce qu'on voit ma tronche là. Donc, en voiture, mon kiki, c'est parti. En voiture, kiki, c'est parti pour l'aventure. L'aventure. On s'en va à l'aventure. Il faut le téléphone là, il fait la bonne job. Faudrait... Je te jure. Pardon? Je m'appelle Antoine. Tu t'appelles quoi? Antoine. Bonjour, je m'appelle Hugo. Bonjour, je m'appelle Tata. Bon, Boris. Lui, il ne parle pas beaucoup. Lui, c'est Boris. Boris. Faut dire bonjour, je m'appelle Boris. Papounet. Ah, c'est un bon truc. Bon, bonjour, moi, je suis Tata. Et bonjour, Gongolon. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. C'est beau. Ici, c'est pas le coin le plus joli où il y a la végétation. Je vous montrerai.
fait ça un jour. C'était toi, génial. Peut-être qu'on va passer devant aussi. Hein. C'est magnifique. Donc, le gouvernement devrait planter beaucoup plus d'arbres. Vous imaginez des arbres? Des grands arbres comme ça? Ah. Avec le réchauffement climatique, là, il faut qu'on plante des arbres en masse. Quand tu viens à Ouaga et puis genre, tu viens pas à la cantine de l'aéroport pour manger notre fameux poulet flambé, là. Parce que tu n'es pas encore à Ouaga. Le bon poulet flambé. Kwame Nkrumah. Là, on fait escale au cappuccino. Si. Bonjour. On va prendre un petit quelque chose à manger. Chien. Et moi. Voilà comment. Hey, Hugo, tu m'as pas fait. Aux mathématiques, monsieur Boris. Produit. Aux mathématiques. Faut faire aux mathématiques. Chien. Quand il y a les arbres là, ça. C'est sûr que c'est vieux avec les arbres. Oui. Sans les arbres, c'est pas beau. Sans les arbres, c'est pas beau. Hein. C'est beau. Tata, t'es. On est passé là quand on est allé. Oh. C'est lourd. Hein. Là, on est. Chez Simon. Chez Simon. Oui, on a dit c'est chez moi. Oui, c'est un monstre. Voici le lac. C'est le monstre du lac. Le monstre du lac. Comme le radeau. Ben oui, il pêche. Ben ils sont en train de pêcher, Antoine. Le Silmandé, c'est un grand hôtel. Ici, c'est le parc urbain Bangrowego. Je vais vous faire visiter ça un de ces jours. Ah, c'est tout le long, ça peut être comme ça, que des arbres partout. Ça fait plaisir à voir. Pas beau ça. On se replace même plus, tellement ça fait longtemps qu'on est passé ici et puis il y a eu beaucoup de travaux aussi. Ça c'est la route qui va l'aéroport. Non, sérieux? C'est la route qui veut ouvrir l'aéroport. Enfin, d'accord. Futur aéroport. Oh, okay. Je suis pas mal sûr. On regarde sur Google. Okay. Waouh, regardez les champs. Les champs des cultivateurs. Danser, Christina, ça. On est à Lumbila. Bon, vous voyez comment la caméra bouge. C'est pour dire que. Bon. La suspension de la bagnole est un peu fatiguée. Jardin potager. C'est bientôt arrivé. Bon, on va aller faire une séance pour vous. On va vous a réservé deux jours de, de labourage. Labourage. Vous allez labourer la terre là. Et
Et voilà, bienvenue à Lagon Lodge. Tu as vu? Ça va être quelque chose, vas-y. Il faut les frapper. Putain, tu vas les frapper. Donc, nous sommes à Ouagadougou, à Lagon Lodge. Comme vous pouvez le constater. Je vous laisse, vous allez apprécier. C'est magnifique. Magique. Les enfants là, j'ai dit que c'est la partie du film là. Mes garçons là, les filles là, regardez les filles là, ils sont en train de sauter sur mes enfants comme ça, ça y est quoi. Elles se les arrachent. Je t'ai dit, bébé, je vais faire la bagarre. Ils n'ont qu'à laisser. Oh, non, mais elles vont nous doter. Ou bien c'est nous on dote. Mais ils ont l'air à bien s'amuser là-bas là. Oui, c'est les nounous. Je les engage en fait, s'occupent des enfants. Je ne l'avais pas dit. C'est une surprise. On y est bien. Oui, c'est ancien. Ben moi, j'avoue, je suis un peu les moustiques, mais... Non, on dirait que les moustiques, là, même, là, ça doit être mon parfum. Ils ne les mangent pas. Ils sont habitués à notre son africain. Ils goûtent, mais tu as dit ça. Ou bien... Ben oui. Ils n'aiment pas manger nourriture étrangère. Non, mais c'est bien. Ils ont un palais. On va visiter dehors. Le petit déjeuner, du miel, de la confiture, du lait au chocolat, des pains, des boules, des croissants, du Nescafé, du sucre. Du sucre. Du miel. C'est lui qui fait les présentations. Beaucoup de choses. Des omelettes aussi. Du thé. Donc du coup c'est l'heure de se sustenter. Comme je vous l'ai dit, c'est mon premier vlogging. Hein. Ça sera pas parfait. Hein? Donc voilà, on est à Lumbila, plus précisément à Lagon Lodge. D'un autre côté. En tout cas, c'est grand ici, hein. C'est grand. Et ce qui est génial, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres, la verdure, la fraîcheur. Ça change tout, on entend les oiseaux. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Hein? Non, mais c'est vraiment beau. Je ne sais pas à vous, de toute façon, c'est à vous de faire votre idée. Mais pour Ouaga, moi, je trouve ça magnifique. C'est des paysans. Ah, regarde l'allée. Je vais. On va aller c'est au ponton là-bas. Je vais vous montrer le ponton. Bon, je n'ai pas apporté les chaussures appropriées. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est super, la journée elle est belle, surtout en pleine saison pluvieuse comme ça. C'est frais, c'est... On respire. Non, c'est super. Oh, regarde, là-bas il y a un berger. C'est super. Et t'as vu la fraîcheur? Le petit vent. Bon, tu vois, ça, c'est les champs de maïs. Tu vois, Antoine, tu vois comment le maïs... Voici les feuilles de maïs. Tu vois au-dessus, il n'y a pas de maïs parce que ce sont des jeunes feuilles. Mais ils l'ont planté peut-être. Voilà. Du coup, ça va pousser. Peut-être qu'on va avoir des épis de maïs quelque part. Et que voilà. Papa, c'est là-bas.
Voici comment on s'évade. On s'est évadé du train-train, de la routine. Ça, c'est un champ de choux. Du choux. Donc, du coup, voilà, en pleine, c'est comme si on était dans une forêt. Donc, c'est super génial. Si on a un champ de maïs qui est là, ça, c'est le champ de choux que j'avais montré tout à l'heure. Voilà. Du coup, c'est une découverte pour nous, même pas pour moi forcément, parce que moi, j'ai fait un peu le village. Mais pour les enfants, c'est génial. Garala, on entend. Ok. Ah, donc, yamana wa parcelle. Ok. Ah, en quel wat pore? Tu veux faire, Hugo? Moi, je vais faire. Ok. 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 Bon. Il faut bien faire. Ok, ok. Bon, faut montrer, comme la dame a montré. Vas-y. Doucement. Et puis tu viens en arrière. Il faut que tu te mettes devant. Voilà. Il faut bien faire. Voilà. Voilà. Ok. Yeah. Bon, c'est à mon tour. Moi, en tant que bébé, tiens. Moi, en tant que vrai, non, je veux filmer. Je veux filmer pour une fois. Je veux filmer. Hugo, attention au téléphone, la madame. Et voici maman qui laboure la terre. Et le petit Hugo. Bien. Vous allez faire quoi avec le gros tas que vous faites? Là, on fait, il y a son ma vie. Maman, regarde! C'est allé où? J'ai assez filmé. Maintenant, c'est à mon tour de. Voilà, et puis vous arrêtez ici. Parce que tu vois, elle a plein de tas ici. Comme ça. Non, je ne fais pas le téléphone.